Je suis Madame Edouche et j'ai effectué mon projet de fin d'études au sein du département Ingénierie Réseau Mobile d'Orange. Ce département a pour mission de concevoir et piloter l'architecture réseau en cohérence avec les orientations marketing, budgétaires, les engagements de qualité et le respect de l'environnement. Fin 2009, l'ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, retire la société Free Mobile en tant que quatrième opérateur mobile en France, lui permettant ainsi d'établir et d'exploiter un réseau 3G. Pour cela, l'ARCEP peut utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz ainsi que dans la bande 900 MHz qui est à l'origine la bande des systèmes 2G. L'ARCEP exige donc la rétrocession à Free d'une partie de ses fréquences par les trois autres opérateurs mobiles. Mais forcément, la diminution du nombre de fréquences va avoir un impact sur les réseaux de deuxième génération. C'est dans ce contexte qu'Orange a créé un projet d'envergure nationale, le projet Refarming. Ce projet regroupe toutes les actions à mettre en œuvre pour conserver un niveau de qualité équivalent sur le réseau mobile malgré la diminution des ressources fréquentielles. À mon arrivée en mars 2011, ma principale mission était de gérer le projet Refarming dans la région Nord-Est. Pour cela, j'ai été à la fois chef de projet et experte technique. Afin d'atteindre mes objectifs, j'ai dû mener différentes actions. J'ai d'abord fait des études et simulations pour estimer l'impact de la perte des fréquences sur la qualité 2G d'Orange. J'ai ensuite étudié et validé les solutions visant à redéfinir l'ingénierie du réseau pour limiter la dégradation, notamment par le réajustement des inclinaisons des antennes, le transfert de trafic sur d'autres technologies ou la modification du paramétrage radio. J'ai par la suite coordonné les équipes pour mettre en place ces solutions ainsi que les nouveaux plans de fréquences sur le terrain. Enfin, j'ai effectué un suivi minutieux des zones impactées par les modifications faites sur le réseau. En plus du projet Refarming, toujours dans le but d'augmenter la compétitivité d'Orange en offrant le meilleur service, j'ai participé à l'optimisation du réseau Nord-Est. J'ai traité ainsi les plaintes clients, je me suis assurée que le service soit disponible pendant les grands événements et j'ai veillé au rétablissement rapide du réseau en cas de problème. Le bilan de ce stage est très positif. En effet, des fréquences ont été rétrocédées au nouvel opérateur dans les délais et sans aucune dégradation de la qualité du réseau. Des pistes solides ont été également élaborées pour les fréquences restantes et sont aujourd'hui en phase opérationnelle. Le projet Refarming m'a permis de comprendre les contraintes liées à l'arrivée d'un nouvel opérateur et la problématique du partage de spectre tout en mesurant l'importance de la maîtrise technique. J'ai développé une sensibilité particulière à la qualité de service ainsi que le souci de l'améliorer d'une façon pertinente. Je vous remercie de votre attention et souhaite bonne chance à tous les nominés au prix des meilleurs stages de la Fondation Télécom.